Ah, quête. D'autres rebelles ont été pris? Jeune fille, vous pourriez m'aider. J'ai envoyé 5 hommes voler les armes du culte de Kukulkan pour la rébellion, mais ils ont échoué. À une époque, je les aurais accompagnés. Hélas, je ne peux plus me battre ni courir sans cracher du sang. Mais je reste fin stratège. Enfin, je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Mes camarades ont été pris et pendus dans le village inférieur, comme une mise en garde. Ils vont les laisser mourir là. Vous disiez que je pourrais aider. Oui. Habillé en garde-serpent, vous pourriez les détacher tous les 4. Personne ne vous soupçonnera. 4 ? Vous disiez avoir envoyé 5 hommes. En effet. Kolki était à leur tête, mais lui n'a pas été capturé avec les autres. Personne ne l'a revu. Ils ont dû le tuer. Je vais voir ce que je peux faire. Jeune fille. Ah ah. J'aurais dû faire quelque chose. Ah, il est là, jeune. Alors, fais voir un peu. Tu n'es qu'en forcé, permet d'interagir avec les spectateurs. Non, les sectateurs. Les spectateurs. Là 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 là. Alors on va garder tout ça de côté. Je crois qu'on a coupé la conversation avec Jonah. On pourrait pas parler pendant qu'on regarde les skills et tout ça. Masdar. Masdar m'a 6 pointes. Moulé en cuivre et prolongé d'une lame de hache. Une arme redoutable. On n'a peut-être pas le même vocabulaire. Du coup, libérer les 4 rebelles. Attends, ça me dit pas vraiment où ils sont. Pas censé me montrer où ils sont. Faut passer par l'eau, c'est ça? Bali, it's Little Gentle. Ça c'est l'entrée, on est d'accord. Ouais. Ok, on va passer par l'eau. On a une belle tenue et on va la mouiller déjà, c'est bien. Taper le crâne par contre le sol. Je me suis buffé, mais en fait c'est pas du tout là qu'il faut aller, c'est ça? Pour une fois que je le fais. Salut Goldo! Ça va? Etzli, Ulikes Mahuba. Bon bah faut partir apparemment. Alors.
coup, on va où? Ah, c'est là. Ok. Oh putain, la caméra. Faudra qu'on retourne sur Scum à un moment, je pense. Pour faire le plein. Eh, poussez-vous. Vous voyez pas? Pas couper ça. Qu'ils soient tous maudits. On vous envoie m'achever, c'est ça? Je ne suis pas du culte. Je suis une amie, je viens vous libérer. Tu vois pas, je suis une amie, je porte un crâne. Vous pourriez vous en servir pour libérer les autres et trouver Kolki. Je l'espère, et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est en vie. Kolki est en vie. Dans le chaos, je l'ai entendu crier, nous ordonner de fuir. Je suis sûr qu'il est en vie. Pas couper ça? Ah, voilà. Je viens en ami. On peut éviter de faire la mission principale. À gauche. Je ne les supplierai pas. Vous perdez votre temps. Je ne vous dirai rien. Je ne viens pas vous interroger, mais vous libérer. Vous me soudoyez. Je préfère mourir que vivre en traître. Je n'en doute pas, mais je suis une amie. Merci, l'ami. Je vous en prie. Vos amis et vous êtes sauvés. Non, le culte nous attendait. Un espion a infiltré la rébellion. Je préfère mourir en... qu'être un traître. Non, mais je suis un ami. Ah, ok, ça marche. Ça va. Pas de problème. Unique des ronds bleus requis, mais... allez au feu de camp équipé. Hey, ah oui, il faut leur parler. Bientôt réunis. Ok. Faut la bleue pour pouvoir parler aux gens, pour récupérer les autres cas. Vous êtes un esprit? Non, je suis bien vivante, tout comme vous. Un mortel et une immortelle. Quoi? Voilà, vous pouvez partir. Oui. Je suis enfin est une immortelle. Libéré. Mais Angelo, des lâches, chacun d'entre nous. C'est ce qu'on mérite pour un échec aussi cuisant. Ne soyez pas si dur. Vous allez vite reprendre le combat. On n'a pas combattu. On s'est rendu dès qu'ils nous ont encerclés. On a marché vers la mort sans verser la moindre goutte de sang. Ta-da. Ah, désolé. Teneur de mission. Joli, on dirait un Power Ranger vert. Au final. À la lumière, c'est sympa.
Attends, je suis pas allé trop loin, non. C'est pas à gauche, en bas. Non, 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 c'est bon. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. C'est là. C'est bon, j'ai libéré tes mecs à la con. J'ai libéré vos amis et bonne nouvelle. Colki est en vie. Il était en tête quand les autres se sont fait encercler. Il les a avertis et il a pris la fuite. C'est merveilleux. Mais il y a un problème. Je crois qu'il y a un traître dans la rébellion. J'en suis conscient. Je l'ai découvert en votre absence et je vais m'assurer personnellement qu'il ait ce qu'il mérite. Très bien. Tenez, prenez ça pour vous remercier. J'apprécie beaucoup votre aide. Si vous dites vrai pour Colki, il doit être dans la planque de la montagne. Vous pouvez aller le trouver. Dites-lui qu'on s'est réfugié dans la grotte du crâne. Je vais le chercher. Non. Nouvel équipement. Jambière de Shamaka. Ancestral. J'aurais dû faire quelque chose. Commence par les Ashona, puis après on l'ignore. Ex bonus humiliation standard. Récupérer les points d'expérience bonus pour trouver sur les ennemis. Pour toutes vos éliminations standard. Ouais, bof. Là, on peut changer de vêtements. Quoique non, en fait, on peut pas changer de vêtements manuellement. On est obligé de changer de vêtements. Bref, en équipant ça en fait, les trucs en plus, on va se remettre comme ça. Ouais, c'est un peu pourri. Tout ce qui est élimination furtive, ça compte pas. On n'aurait pas de bonus. Ouais. Alors, tu veux qu'on aille où du coup? L'autre bout de la map. L'autre bout du village. Ok, c'est parti. Non, attends. Comme ça. Et ligne droite. Ok, c'est bon. On se pousse. Où est-ce qu'on doit aller? Ah, j'aurais pu me téléporter là, je crois. Come on, come on, come on.
C'est un cauchemar. Pauvre Sumac, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Prêtresse, bonjour. On vous a dit ? C'est horrible. Sumac a été tué par son domestique. Il n'avait pas mérité ça. Vous connaissiez Sumac ? Tout le monde connaît Sumac. C'était mon mentor et mon associé. C'est grâce à lui que je travaille. Un commerce dans le quartier supérieur sans les bons contacts, c'est impossible. Et Sumac m'a porté ça, entre autres. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Merci, prêtresse. Prêtresse. Qui est ta mort ? Désolé, prêtresse, l'entrée est interdite. Les gens sont en colère. Si je bouge, ils risquent de charger. Je peux peut-être trouver un moyen de les distraire. Oui, c'est une bonne stratégie. Quelle tragédie. Il faut que je voie Choco. Vous ne pouvez pas passer. Ces gens sont en colère. J'ai peur qu'ils deviennent violents. Pas maintenant. Vous pourriez calmer la foule, prêtresse ? Oui, je peux sortir mes armes. Qu'est-ce que je fasse ? Je vois quelque chose. Tu vois quelque chose d'où ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Putain, ça me tape sur le système. Ah, là. Bah, je sais pas, je crois que c'est pas lié du tout à ce qui se passe, mais... Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On va faire ça. Scénario terminé. Hein ? C'est fou. Être assassiné chez soi. Ah. On ne vous a pas prévenu que Sumac était mort ? Si, prêtresse. C'était un grand homme. C'est vrai. Alors sonnez l'appel des morts. Qu'il puisse partir pour l'au-delà. Oui, prêtresse. Tout de suite. C'est plus calme. Entrez. C'est plus calme. Il y a deux personnes en moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? À notre arrivée, Choco, la maîtresse de maison, se disputait avec Taruka, le serviteur. Sumac était entre eux. Taruka était couvert de sang. Choco a assisté au meurtre ? Non. Elle a trouvé Taruka au-dessus de Sumac en rentrant du marché. Est-ce que Taruka a avoué ? Non, il dit qu'il est innocent. Mais vous êtes là, prêtresse. Personne ne peut mentir sous le regard des dieux. Quand il aura avoué, allez voir Pakal, l'enquêteur. Il est avec le cop. Oh, prêtresse, je vous en supplie. Je jure que je n'ai pas tué mon maître. Du calme, Taruka. Racontez-moi tout. Quand je suis rentré des champs, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui claquait. Et j'ai trouvé Sumac couvert de sang.
On l'avait poignardé. J'ai tenté de faire quelque chose, mais c'était déjà trop tard. D'où tout ce sang sur vos mains? Prêtresse, vous devez me croire. Je reviendrai si jamais j'ai d'autres questions. Maintenant, on fait... Vous trouverez forcément une preuve de mon innocence. Maintenant... Comme je vous l'ai dit, Taruka, le serviteur, avait du sang sur les mains. On Bonjour. Cherche... Choco? Oui, prêtresse? Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous me racontiez ce qui s'est passé. On est en train de faire une investigation. J'étais au marché avec... Oh, pauvre Sumac. Prenez votre temps. Commencez au début. Vous étiez au marché? Oui, avec Akna. Je voulais préparer du bok chouk. C'était le plat préféré de Sumac. Akna? L'une de mes servantes. Qu'est-ce que vous avez vu en rentrant? Taruka était dans la cuisine, au-dessus de Sumac. Ses mains couvertes du sang de mon mari. J'ai crié, et les gardes sont arrivés. Est-ce qu'il avait une arme? Non. Est-ce que quelque chose a claqué à votre arrivée? Non. Bien sûr que non. Que faisait Akna? Comment ça, Akna? Elle était avec moi. On revenait du marché toutes les deux. Elle est où maintenant? Elle se repose dans sa chambre. Le choc a été violent. Je vais aller lui parler. Mais... Oui, bien sûr. Comme vous voudrez, prêtresse. Merci pour le follow. Que dis-je? Prêtresse. Racontez-moi, Pakal. On a poignardé Sumac dans le cou plusieurs fois avec une arme pointue et tranchante. Comme une flèche ou un couteau? Peut-être, mais l'arme a disparu. On a fouillé toute la pièce. Alors c'est que l'assassin l'a emporté. Vous me permettez d'examiner le corps? Bien sûr. Que les dieux vous montrent ce que mes yeux n'auront pas su voir. Il nous considère comme une prêtresse. On ne peut pas simplement dire « Bon, je déclare ce mec innocent et basta. » J'ai pas assez de place pour ça. Quoi? T'as pas assez de place pour quoi? Ça? Mais je t'ai dit d'examiner, hein, pas de... Oui, prêtresse. Est-ce que quelqu'un a vu Choco au marché au moment du meurtre de Sumac? Elle était avec Akna, sa servante. Pourquoi? Taruka a entendu une porte claquer en arrivant. C'est comme ça qu'il a découvert le corps. Et Choco est entré juste après. C'est bien ça. Alors où se trouve l'arme du crime? On a fouillé partout. Elle n'est pas dans la maison. Quelque chose nous échappe. Je vais parler à Akna pour voir ce qu'elle sait. D'accord, prêtresse. Ça me fait tellement étrange de mener l'enquête dans un pays indigène, dans un village indigène, c'est débile. Taruka est coupable, prêtresse, j'en suis certaine. Ça a aucun sens. Ça ne sera jamais propre. Enfin bref. Bonjour Akna. Oh, prêtresse, pardonnez-moi, j'ai cru que vous étiez madame. Je voudrais madame. Vous parler et vous poser quelques questions. Je ne sais rien du tout, je ne sais jamais rien du tout. Elle s'ouvre, cette porte? La porte? Non, elle est cassée. Ça fait des années qu'elle est cassée. Akna. Je vais trouver un moyen de faire le tour. Bouge pas, salope. Toi, tu nous mens, toi. Merci pour le follow et bienvenue. J'ai pas assez de place pour ça. On est dans un moment très chiant, hein, j'avoue que... On est dans un moment un peu relou du jeu, là. On mène une enquête. On mène une enquête qui... dans un village indigène. Ça m'étonnerait qu'ils aient des règles comme ça, genre... présomption d'innocence, recherche de l'arme du crime... Enfin bref. On a remué la terre ici. Ça me fait rire. Il y a peu. Ce couteau, c'est sûrement l'arme du crime. Ah bah voilà. Reposez ça, vite. Madame a dit que si quelqu'un le voyait, elle aurait des ennuis. Quel genre d'ennuis elle aurait? Je vous en prie, prêtresse, ne me forcez pas. Si quelque chose arrive à madame... Vous devez tout me raconter. Madame n'est pas venue au marché avec moi. Quand je suis revenue dans ma chambre, la porte était cassée. Il y avait du sang partout. Madame m'a demandé de cacher le couteau pendant qu'elle appelait les gardes. Je suis désolée. Merci de votre honnêteté, Akna. Oh, pardonnez-moi, prêtresse. Oh,
Je vous en prie. Shoko sera traduit en justice. Sera traduit en justice. Ne t'inquiète pas, nous allons te... te mettre sous la protection des témoins. Ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une police, sûrement. Donc, protection des témoins. Ah, maintenant, la porte est ouverte. C'est bien, comme ça, ça nous évite de faire le tour. Par contre, on peut encore parler. Je ne sais rien du tout. Je ne sais jamais rien du tout. Examinez le corps, prêtresse. D'accord. Vous serez peut-être plus perspicace. Faut parler à elle. Je veux juste passer à autre chose et que justice soit faite. On a trouvé le couteau. C'est lui le chef de l'investigation. Pascal, Taruka est innocent. C'est sa femme Shoko qui a tué Sumac. J'ai trouvé l'arme du crime. Et il y a ses empreintes. Arrêtez-la. Non. Shoko n'était pas au marché. Elle a attendu qu'Akna et Taruka s'en aillent et elle a poignardé plusieurs fois Sumac dans le cou. C'est pas vrai. Sumac est tombé dans le passage. Shoko a déplacé son corps pour que Taruka le trouve plus facilement. Vous mentez. Ensuite, elle a claqué la porte pour attirer l'attention de Taruka. Elle a donné le couteau à Akna, elle lui a dit de le cacher, et elle est venue voir Taruka pour l'accuser du meurtre. Silence ! Vous serez jugés tous les deux. Je tiens à vous remercier en vous offrant ceci. C'est quoi ? C'est prison ferme ? Perpétuité ? Comment ça se passe ici ? Hein ? Taruka, vous pouvez partir. Merci, prêtresse. Parfois, il y a une justice. Oui, parfois. Je deviens un peu cynique en fait. Tout est plein. Par rapport à ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais. Les trucs comme ça, je trouve ça con. On va se téléporter parce que je me rappelle plus comment aller là. Je crois qu'on va finir par se téléporter au feu de camp, genre celui-là. On va en profiter pour. Libérer. Sauver. Bon, il est où le feu de camp le plus proche? Là-bas. Oh, il est tombé. On se pousse. Police! Appelez la police! Voilà. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Unuratu. Et les autres rebelles, ils vont les tuer pour l'exemple. Mon Dieu, quel cauchemar! Eh ouais. Alors, peau de léopard, c'est ça? Peau de léopard est unique en peau portée par Iskar Yahweh. Do you know the way? Augmente la durée des effets des plantes d'endurance, requiert la compétence cœur de jeu. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça on mettra ça, je pense. Augmente la durée des effets d'endurance, prodiguant une plus longue résistance aux dégâts, requiert la compétence cœur de jaguar. On l'a ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est joli en plus. Joli. Sauvegarder. La première fois que j'ai fait le voyage rapide, le jeu a crash. Maintenant, je fais un peu attention quand même. Alors, on avait dit. Celui-là. Celui-là, je pense. On va voir. Une téléportation. Le jeu est bien fluide maintenant, il n'y a pas de problème. Il marche très bien. Comme j'ai dit. Le petit fixe à la sortie, ça aide. Ah ok. Ah oui, ça c'était le puzzle. C'est peut-être pas le bon.
Est-ce que là on va tomber? Ouais, non, 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 non. Bon, après, si je trouve pas, on fait l'histoire principale. On va pas se faire chier non plus. Hein. Parce que j'ai pas trop envie de m'éparpiller dans. Je veux un peu d'action, je veux un peu d'histoire, je veux de l'exploration, je veux un peu tout mélanger. Je veux pas seulement faire une seule sorte de chose. Quoi. Sinon, ça devient vite chiant. Déjà que là on parle à beaucoup de personnes, c'est pas trop intéressant non plus. Fouiller la caverne, ça y est, on y est. C'est par là. Non, ah bah c'est là, c'est par là qu'on passe. Donc c'est le puits d'eau. Il faudrait que je m'en rappelle à l'occasion. Bon, de toute façon, on se téléportera.